Voilà. Salut YouTube. Quatrième run de la streak Eden. C'est parti. Espérons que la RNG des objets soit avec nous. Alors, oh. Ok, Steven. Steven, gros boost de dégâts. Le Tyrite est à 7, c'est très bien. La range est pas ouf, mais bon. Acceptable, on va dire. J'ai connu pire. Et la box of friends, bon. Ouais. Si on tombe sur Incubus, ça peut être bien. Et une carte Wheel of Fortune, ok. Oh bah très bon start. Putain, surtout Steven. Waouh. Le jeu est gentil. Le jeu est gentil ce soir. Il a envie de se faire pardonner. Et deux cœurs rouges par contre, attention quand même. Il suffit de deux touches par des ennemis d'élite et c'est terminé. Faut rester vigilant. Là, typiquement, pas plaisir ceux-là. Ok. Tant qu'ils sont pas 5 ou 6 là dans la même salle, comme ça peut se produire des fois. Une pire salle. Quel item? Taev's Mascara. Non merci, avec la range que j'ai, c'est hors de question. Hors de question. Mom's Battle of Peel, je le prends pour la transformation Mom. Le lard. Ah, j'ai pas une speed suffisante pour le prendre. Même si c'est pas mal, hein, c'est 2 HP up. Mais c'est moins 0,20 de speed. Ok. Le petit stress. Oui. Cœur bleu. Après, il y a le boss. Ouais. Je vais quand même prendre le cœur bleu par précaution. J'aime pas faire ça, mais bon. Celui que je tombe sur un Zion, t'es un peu vénère. Ouais, je peux reroll encore là-bas. Hein. Faut pas que j'oublie ça. Je peux encore reroll mon objet. Tant pis pour le lard. Oh putain. Oh Rosary, c'est oui. Pas pour la Bible, hein, je m'en fous, mais pour les trois cœurs bleus. Les trois cœurs bleus en cellier 1 qui m'aident bien. Ça me fera chier quand je tomberai sur la Bible, mais bon. Oh là, encore 4 cœurs bleus. Je suis presque full life. Très bien, très bien. Partie qui commence sur les chapeaux de roue. Curse of the Lost. Ah, il y a un hochet marqué. Putain, rocher marqué, mais il n'y a pas de TNT qui peut être déplacé.
Ça m'aurait bien arrangé. Ah, il y a encore un rocher marqué. Ouais. Donc, il me faudrait deux bombes. Ouais, tout petit. Ah, voilà une bombe. Soit pour des troll bombes. Ah non, des araignées. Yes. Alors avant d'aller voir l'item, je vais passer au shop. Lorsque je l'aurai trouvé. Il est là. Ok. Eh bien, pas de more options. Là, il y a le boss. Ah, j'ai pas de bombe. Ah. Non. Nul à chier. Larry. Notre ami Larry. Voilà. Ah, deux OG. Ah, deux fois la même pilule. Oh, elle est sup. Bah, nice. C'est quoi ça, Wheel of Fortune? Ouais. Alors, bouquin de Belial et Duality. Ça va partir sur le Duality. J'ai envie de toter les God Room si jamais je suis en manque de cœur rouge. Ah, oh, c'est chiant. Je peux pas y aller d'un trait là? Si, c'est bon. Le speedrun. Là, il y en a un, mais j'ai envie de faire l'autre pour avoir le coffre. Ok. Ah, pas de small rock cette fois. Mais bon, en vrai, là, c'est plutôt confortable hein, comme build.
comme start. Il y en a une comme ça au... au boss. Si je raconte pas de bêtises. La blanche et bleue là. Tout à fait. Et ben voilà, je suis à... Ah non. Ah, je reste à 6 de tiers. Zut. C'est encore Flooded Caves. Il y a pas marre le jeu là. Ah, j'ai dit du bien de lui. Je crois que ça lui a pas plu. Ok, un cœur bleu gratos. Allez, relou. C'est bon. It's good. J'ai pas pris le coup. Waouh. C'est pas possible. Ça c'est joué au pixel hein. J'aimerais bien le faire exploser là-bas. Ouais, ou là aussi, ouais. Mais toi, genre, explose. Voilà, ici, parfait. Comme ça, tu me donnes l'objet. J'ai eu la secret. Ouais, les sous. Dropez-moi des sous. Ouais, soit le penny. Meilleur trinket avec Keeper. Mais bon, je joue pas Keeper ici. Le pire perso Keeper. Ou le dernier, il est là. C'était pas le dernier. Ah, ça c'est mieux comme, comme trinket. Dans des red patch, je sais plus si c'est celui qui augmente nos dégâts avec les kills. Attendez, non, ça c'est 111 lock, pardon. J'ai confondu de trinket. Red patch, c'est quand on se fait toucher. Ça augmente nos dégâts pour la salle, je crois. Ok, donc le boss est là. Maintenant, faut trouver le shop. Ah, c'est quoi? Ancient Recall. The Fool, the Stars, the Hierophant. Ah, Hierophant, c'est la carte que j'aurais dû avoir à la partie d'avant. Bon, là on est full life, on est bien. La range est pas dégueu. Le DPS est bon. Tout va bien. Les deep pockets.
En solde, c'est 8. Ah oui, du coup, je peux porter deux cartes. Et ouais. Et ouais, et ouais, et ouais. Oh! C'est un énorme oui. Grosse assurance vie. Ah, les deux coffres. Oh putain. Je vais prendre celui-là quand même. Je peux faire ralentir un mob sur une salle. Why not? Ah, j'ai trouvé un défaut au build. La vitesse. Il manque un petit peu de vitesse. Là, une petite cuillère en bois et je pardonne le jeu. Ok, bon HP up, pas de deal. Étage suivant. Ok, catacombs, et on y voit que... Dalle. Au secours. Ouh, il est pas passé loin celui-là. Eh. Ah, merci. Il est où le dernier? Il est là. La salle a deux clés, ouais. Bah voilà. J'ai trouvé mon trinket. Vu que je suis full life et que je vais pas utiliser mon bouquin tout de suite, ça va me donner un boost de stats. Ah, attendez. Peut-être ici, je vais utiliser mon bouquin. Ah ouais, c'était sûr ça. Enfin, en vrai, je vais même pas l'utiliser maintenant. J'attends d'avoir un cœur à régène. Le boost de l'ampoule, il est pas négligeable. Hein. Sauf qu'il m'a donné pas mal de speed.
Ouais. Le shop est là, ok. Steam sale là. Allez. Yes, merci. C'est le call. Bon, je vais vendre mon objet. Je ne doute pas une seule seconde, ce sera un excellent objet. C'est ta merde, mais. Mais alors, c'est vraiment de la merde. Après, je me souviens d'une énergie qui était buggée dans Rebirth. Bon, ça a été corrigé après dans Afterbirth avec les Isaac Stears. C'était quoi? C'était Isaac Stears. Isaac Stears, Chocolate Milk. Et le dernier, c'était quoi? Tamiz Head, je crois. Ouais, c'est ça. Tamiz Head, Isaac Stears et Chocolate Milk. Ah, et avec un Brimstone aussi. Avec un Brimstone. En fait, en ayant ces combinaisons de 4 objets, on pouvait casser la limite de chargement du Chocolate Milk. Et du coup, tant qu'on restait appuyé sur la touche de tir, les larmes faisaient des dégâts astronomiques, quoi. C'est-à-dire qu'on voyait même plus l'écran. Avec l'effet de Isaac Stears. Ça a été corrigé depuis. Ça, j'ai déjà vu. Mais ouais, c'est. J'ai eu cette synergie-là à un moment donné, et j'ai fait quoi? J'espère que c'est pas prévu par le jeu. Effectivement, c'était pas prévu. Mais c'était bien débile. Avec ça, on one-shotait tous les mobs. Et tous les boss aussi. Le boss, oui, The Stain. Oh, c'est le gris, je crois, non? Ou c'est moi qui vois mal? Non, non, c'est le gris. C'est la version chiante. Oh, Magic Mushroom! Waouh! Ok. Oh, je prends quoi? God ou Devil? J'ai 5 coeurs rouges, je vais tenter la Devil. Ah putain, Krampus. Fait chier. Puisque c'est comme ça, la prochaine fois, je prends la God Room. Voilà. Je fais la gueule au démon. Ok, Lump of Coal, c'est bien. J'ai eu le meilleur. Mais là, Magic Mushroom, il met vachement bien. Ah, Curse of the Blind, yes. D'argent. Moult argent, je suis en Curse of the Blind. Quel plaisir.
Rocking Baby. Le truc tellement nul. Ouais, je vais pas passer plus de temps à cet étage. Je vais y aller. Bruni. Ah, il m'a enfermé le salaud. Lidactini, d'accord. J'ai déjà 10 pockets donc ça sert à rien. Go. Il est pas blind cette fois-ci. Merci le jeu. Pas de blind, mais je vais avoir ça je la sens là. Je sens le super grid au shop. Yes. Ah bah non. Regardez le chrono en fait. 26 minutes, c'est ok. Hein. Le shop. Et attention. Ah. Ok, c'est un bon shop. Ready. Faut que je prenne des clés. Ah, trop tard. Bah, la carvatrice, ça fait super plaisir. Deux cœurs noirs pour l'utilisation non activable. Magique. C'est magique. Purity, ok. Donc Purity qui donne un gros boost de stats en fonction de la couleur de l'aura du personnage. Là j'ai l'aura rouge, ça veut dire que j'ai un gros boost de dégâts. Je passe à 14. Je sens que le meilleur... aïe. Ouais, et quand on se fait toucher, l'aura disparaît et elle revient sous une nouvelle couleur. Ça peut être la même couleur. Ou ça peut être une couleur différente. Voilà, là j'ai eu le orange, je crois.
qui me donne de la range. Évidemment, celle qu'on veut, c'est la bleue. La bleue, elle réduit de 4 le tir rate. Et elle ignore la limite à 5. Donc là, je peux descendre à 1 si j'ai l'aura bleue. Ah là, j'ai eu le boost de speed. Bien le boost de speed là, il met bien là. Là, je suis content d'aller vite là. Ok, donc je prends ça et j'ai dit que cette fois c'est God Room. Oh. Ok. Ah, on est méga bien. Bon, Bixel. Bon, Bixel, ok. Le build fait mal. Il fait très mal. Et encore, je pourrais littéralement multiplier par 5 mes DPS si j'arrive à avoir l'aura bleue. Voilà, ça serait complètement dingue. Mais bon, je vais éviter de me faire toucher. Même si bon, j'ai mon bouquin avec la carvaterie. J'ai aussi quelques cœurs bleus qui traînent là. Allô?
Oh, ça doit sûrement être par là. Un cœur d'eau. Aïe. J'ai eu quoi là comme boost? Oh bah j'ai même pas eu le temps de voir. Ah j'ai la range, putain. Pas dingue hein. Ah non alors. Hors de question que je reroll mon build. Ce serait du suicide. Comme souvent d'ailleurs. Non mais là par contre, faut arrêter de se faire toucher quand même. Mister Fred. Ah bah là j'ai eu le boost de dégâts. 29 de dégâts. Ils sont là. Hein. La boîte ou le HP up? I don't know. Elle voit flou, hein. Ok, oh, j'ai pas de deal. J'ai pas de deal. Je prends la box, du coup. Ouais, non, ça, on s'en fout. Ça, c'est quoi? Ace of Spades. Ace of Spades. Ok. Cathédrale. Putain, 32 dégâts. LOL. LOL, vive le rire. Ah, rocher marqué. Ok, là ça sert à rien. Ok, de la speed. J'ai toujours pas mon boost de speed de tiers. Hein. Ça va arriver, j'en suis sûr. C'est imminent. Non mais tu peux essayer, hein. Ça marchera pas. Oh, oh, Yera. Yera pour le chest. 8 coffres. Nice. Je suis con, je joue bombe les feux alors que j'ai des cœurs là-bas. Idiot. Ouais.
Ça se passe. J'ai 99 pièces, j'avais même pas vu. Un petit money equal power. Ça, on passe à... Ah, attendez, parce qu'il y a le multiplicateur du Champlar et du de la couronne. Donc ça fait x3. x3. Money equal power, ça fait à peu près plus 4. Ça ferait plus 12 de dégâts. C'est ok, hein. Hop. Du coup, c'est en haut, c'est ça? C'est ça que le jeu essaye de me dire. Ah, toujours pas, aïe. Putain, je suis pas à fond dedans, hein, ça se voit. Je prends des touches, mais bon, bah du coup je suis perdu. Où est le boss? Où est Isaac? Isaac vivait dans une maison avec sa mère. Ils vivirent heureux. Jusqu'à ce que Dieu dise à maman. Etc. Oh, mais ça y est. Ah, j'ai. D'accord. Je n'ai pas fait cette salle. Parce que là c'est le départ. J'avais pas fait celle-là non plus, mais c'est pas par là. Petite défense. Je prends. Bon, je vais longer le mur de gauche. Dans les labyrinthes, ça fonctionne. Ah. Ouais, j'ai trouvé le boss. Yes. Là. Et c'est parti pour les 8 coffres. Qu'est-ce que je vais nous donner? Le Dead Bird. Oh là, oh oui, la vitesse. La licorne, le 3$ bill, le number 2, Mister Mega. Oh, c'est vraiment pas dingue. Hein. Mais bon, on n'a pas besoin d'objets, on est bien. On est super bien.
Ah, double adversary. Pouah, l'esquive. Vous êtes beaucoup, vous êtes beaucoup. Quoi? Ah oui. Il y a encore une araignée. Ok, très bien. Allez, fais ton laser là. Qu'on rigole. Qu'on rigole deux secondes. Ah, c'est pas par là. De la speed. Ah oui, du coup shot speed, ça c'est bien. Avec Chrono Flight, c'est bien parce que la Chrono Flight elle fait bien baisser la stat de shot speed. Ah, vous êtes 3. Vraiment. OK. Encore Glass Cannon? Non mais c'est pas possible hein. Le jeu nous a mis deux fois Glass Cannon ce soir. Ils ont mis le plan C aussi, donc ils voulaient vraiment qu'on meure. Mais nous ne sommes pas morts. Pourquoi je suis allé dans cette salle? Triple super envy, ouais. Ah, quand t'as pas un build transperçant, c'est pas la joie. Aïe. Oh oui. Et le boss. Le voilà le boss. Le bébé bleu. Et voilà, parfait. C'est dans la boîte.
Merci YouTube encore une fois d'avoir suivi cette VOD. N'hésite pas à mettre un pouce bleu si ça t'a plu. À bientôt.